Wow. Ok, salut la team, j'espère que vous bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc, pourquoi on est dans ma voiture? Ça va être très simple. Aujourd'hui, on va essayer de décoller avec ma voiture. Vraiment, on va essayer de faire un saut périlleux. Pas du tout. Alors, aujourd'hui, comme vous avez pu le comprendre dans la miniature, aujourd'hui, je vais vous expliquer. Ça va être très simple. Comme vous savez, mon son, j'ai vraiment adoré le faire. On va fermer les fenêtres, sinon vous allez rien entendre. J'ai crevé de chaud par contre à cause de vous, merci. Alors comme vous savez mon son, j'ai adoré le faire. Vraiment c'était quelque chose que je rêvais depuis tout petit. Vraiment de faire un son, j'ai toujours voulu faire ça. Mais j'osais pas franchir le pas. J'osais pas, et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, justement je vous explique pourquoi j'ai fait mon son. Si vous l'avez toujours pas vu, allez la voir. D'ailleurs si vous avez toujours pas écouté mon clip, je vous mets un petit extrait tout de suite, c'est parti. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. Je veux beaucoup d'argent, je veux pas être sur la page. Ok, donc voilà, donc comme vous le saviez, je vous l'avais dit dans la vidéo, c'était pas, j'ai pas fait ce son là dans le but de percer dans le son ou dans le but de vraiment commencer ma carrière dans le son, pas du tout. Vraiment c'était par pur plaisir et par pur, voilà, c'est un truc qui me faisait kiffer. Et moi dans ma vie, mon but c'est vraiment, j'ai envie de faire quelque chose, ok je le fais. Pas grave, ça marche pas, c'est pas grave. Du moment que j'ai pris du plaisir à le faire et que j'ai bien aimé le faire, c'est ce qui compte, c'est le plus important. Salut toi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu dans la miniature, j'ai envie de me fabriquer un truc qui va me souvenir de ce son. J'ai envie de me fabriquer un truc qui va me rappeler des bons souvenirs et que je veux qu'on le partage ensemble. Et qu'à chaque fois qu'on est dans mon studio, on s'en rappelle de ce son là, ok. Et je vais pas vous le faire répéter à chaque nouvelle vidéo, je vais vous le mettre. Sinon ça va vous donner un moment pour vous, ça va être complètement barbant. Tout simplement ce que j'ai envie de faire, c'est de créer un faux disque d'or. Comme si j'avais le disque d'or, c'est juste pour le kiff, j'ai envie de le faire, voilà. Donc j'espère que vous allez comprendre que vraiment, je fais ça vraiment au premier degré, encore une fois, le disque d'or comme le son. C'est vraiment parce que voilà, c'est pour rappeler un petit souvenir, ça me fait plaisir. En aucun cas, je vais faire un disque d'or pour dire, ah les gars, j'ai fait disque d'or, ça y est, j'ai fait un son, je me sens plus. Pas du tout, vous me connaissez, de toute façon, ceux qui me connaissent, vous savez très bien comment je marche, comment je suis. Donc là, c'est pour ça qu'on va aller chercher tout ce qu'on a besoin, parce que chez moi, il manquait juste un seul truc, c'est un cadre. Parce que du coup, faut encadrer du coup le disque d'or. On va vraiment essayer de faire ça vraiment propre. Du coup, je vais aller chercher un cadre. Et puis voilà, et puis j'ai tout ce qu'il faut chez moi, la peinture en or et tout pour faire le disque en or. J'ai un disque vinyle, on va vraiment essayer de le faire le plus propre possible. Vous savez qu'avec moi la construction et tout ce qui est un peu tout ce qui est un peu bricolage, ça dépend. Donc voilà, bah écoutez, place à la vidéo. N'oubliez pas de t'abonner si t'es nouveau sur la chaîne. Et si t'es pas nouveau, n'oublie pas de commenter cette vidéo, ce que t'en as pensé, si t'as bien aimé ce genre de format. N'hésite pas à me dire en ce moment, comme je te l'ai dit, de toute façon, vu que là on fait une vidéo par jour sur la chaîne, du coup, va voir la vidéo si t'as pas encore vu ce que je dis par rapport à ça. Ça, c'est un petit challenge. Donc c'est pour ça que je teste plusieurs choses et ce sera à vous de me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et comme ça, on va un peu varier tout sur la chaîne. Donc ça va être vraiment cool. Mais l'unique chaîne conducteur de ma chaîne, c'est le divertissement et l'humour, ok. Bon, je dis pas que je suis drôle, hein, attention. Hein, mais le but, c'est vraiment de vous faire sourire et de vous divertir et que vous vous sentez bien. Quoi, ok, à l'aise, trop bien genre. Donc voilà, bref, on se retrouve directement bah, tout à l'heure quand j'aurai acheté les trucs. Et puis bah c'est parti, à tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé putain. Let's go. Putain, il y a trop de température sur mon téléphone, on va essayer de le rafraîchir tout comme on peut. Et putain, si un jour ce rêve se réalise d'être vraiment youtubeur, d'être vraiment, que ce soit mon métier, ça serait juste fou. Et j'espère qu'on y arrivera ensemble, parce que putain, si un jour j'y arrive les gars, j'en aurais parcouru des échecs et du temps. Mais si j'arrive un jour les gars, ce sera grâce à vous déjà. Et je serai le plus heureux au monde, rien ne pourra me rendre plus heureux, rien. Je suis un putain de connard. J'ai oublié mon portefeuille chez moi. J'ai fait 30 minutes de route. Trouver une solution. Faut que je trouve une solution. Je vais trouver une solution. Ma sauveuse. Voilà, ma mère est venue me rejoindre. A few moments later. J'allais vous dire, ok, salut la team. Tellement que pour moi, il s'est passé un temps énorme, alors que pour vous, il s'est passé actuellement 2 secondes. Ok, alors je vous explique. Du coup, j'ai galéré avec ma mère. Du coup, ma mère est venue me rejoindre. Du coup, comme vous avez pu voir, parce que j'avais oublié mon portefeuille pour le cadre. Le cadre, on a fait 3 magasins introuvables. Au final, j'en ai trouvé un. Donc, vous avez pu voir, je vous ai montré dans cette image là. Regardez bien. Du coup, il était beaucoup trop grand. Mon père a refait les recoupes et du coup, maintenant. Il est beaucoup mieux, il est comme ça. Donc voilà, vous voyez. Donc là il est vraiment, parce que moi je cherchais vraiment un truc plus rectangulaire qu'un truc carré. Et tous les autres trucs étaient carrés. Du coup bah voilà, mon père a dû le couper, donc c'est carré, merci à lui. On va déjà, et j'ai acheté ça aussi bien sûr, une bombe de peinture en or, parce que ma mère m'avait donné ça. Mais je pense que c'était pas ouf. On a trouvé celle-là, je me suis dit allez vas-y go, on va prendre celle-là. Premièrement, je pense qu'on va peindre ce disque. J'ai fait un petit test avant, donc on voit que ça marche bien, c'est cool, ça fait la couleur que je voulais. La couleur souhaitée, si on peut même dire. Du coup, on va peindre le disque, comme ça au moins on va laisser un peu sécher. Ensuite, regardez bien, au milieu du disque, je vais mettre cette photo-là. Et ensuite, pour bien montrer l'avant du CD, cette photo-là, mais je l'ai découpée en plusieurs carrés, ok. Parce que je voulais pas mettre un petit truc en format A4. Ça va être galère, on va devoir tout découper.
tout coller en une seule partie. Et après, sans que ça se voit, que ce soit dégueulasse. Donc voilà, j'ai trop hâte, je vous jure, je suis tout excité, je suis comme un gosse, j'ai trop hâte de l'avoir fini. Et genre, j'espère vraiment qu'il sera à mes attentes, parce que sinon je serai dégoûté. Voilà, c'est parti. Teindre le disque vinyle. On va essayer de faire ça bien pour une fois, ok? Pas comme dans la vidéo où j'essaye des life hacks de TikTok où j'en ai foutu partout, ok? C'est archi beauf. Ok. Ça pue sa grand-mère. Ah, ça fait grave stylé. Ah, comment ça fait dark. C'est vraiment tout ce que je voulais exactement. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais la couleur est vraiment ce que je recherchais. Je voulais pas un truc trop doré qui tape à l'œil, genre en mode trop dégueulasse. Parce que le cadre que j'ai choisi, comme par exemple sur le côté, vous verrez, il y a un petit truc plaqué or, genre, qui fait grave beau. Je suis grave content, franchement j'espère vraiment que cette vidéo va être bien. Enfin, ce cadre va être bien. Cette vidéo aussi, du coup, pour vous. Mais pour l'instant, je suis satisfait. Hello ? Allô ? Vogel ? Ok, je vais aller poser ça et après, on passe à la suite. Est-ce que ma table a une trace ? Attention. Et yeah ! Je suis un... Et non, petite merde. Ah non, j'ai cru que c'était une trace dorée. Ok, oui. Parfait. Ah, le bruit est horrible, écoutez. Pensez de faire ça. Moi ça va ça en vrai, ça va. Là du coup la deuxième étape c'est de couper tous les petits carrés, ça va prendre énormément de temps. Découper l'affiche pour le disque d'or. Bah, la peinture ici quand même. Pourquoi? Ça remonte jusqu'à là-haut le dos. Ah ouais? Tu sens? Bah oui. Ah bah c'est bon j'ai fait. De toute façon y'a qu'une couche à faire, ça rend bien là. Ça va, j'ai foutu. Ici. Ouais. Une minute. Ah ça fait grave stylé. Ah comment ça fait dark. C'est vraiment tout ce que je voulais exactement. Bon vous savez quoi, on va pas faire les fous. On va couper juste une feuille. Oh mais une feuille par une feuille, ça va être long 9 feuilles. Ouais, bon, je vous l'accorde, c'était super long et en plus de ça, super chiant. Donc c'est pour ça que je vais vous accélérer tout ça. Et puis, bah, de toute façon, vous allez vite comprendre que j'ai fait de la merde, encore une fois. Donc voilà. Hop, c'est carré. Voilà. Donc là, nous avons tout le truc. Il n'y a plus qu'à tout s'assembler, parce que là, bien sûr, vous voyez, c'est pas assemblé. Là, c'est le moment le plus délicat. Donc bref, voilà, vous pouvez voir, du coup, que j'ai fini, mais il y a plein d'imperfections. Par exemple, vous voyez, là, il y a la transparence. Et ça on veut pas, sinon ça va se voir les lignes, ça va faire des lignes blanches, ok? Donc là je vais aller là-haut tout rectifier, je vais pas vous filmer ça, c'est pas très intéressant pour vous. Ça arrive très facilement les disques d'or en fait. Tout le monde rêve d'avoir des disques d'or, ceux qui sont passionnés par le son. C'est facile en fait. Bon allez, à tout de suite. Ok. Ah, attendez. Juste, voilà, pour me faire du bien, j'en peux plus. Là pour vous, il s'est passé encore une fois 2 secondes. Pour moi il s'est passé énormément de temps. Il est actuellement 23h, ok? Tout à l'heure que j'ai commencé le tournage vers 18h, ok? Pourquoi? Parce que l'affiche, comme vous avez vu tout à l'heure, c'était une catastrophe quand je l'ai fait avec tous les carrés là, c'était une catastrophe. Au final mon père m'a aidé, on l'a bien refait, parce que sinon c'était vraiment une catastrophe de dingue. Alors tu fais quoi là? Alors la technique du vieux. Putain, regarde la technique. Il m'a saoulé, il m'a dit c'est comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça. Regarde, c'est au millimètre. Parce que à la base, je voulais refaire celle, enfin, je voulais modifier les petites modifs de celle-là, mais on va pas se mentir, hein. Il y avait trop de problèmes. Ah, regardez comment il prend son temps pour couper. Bon, je vous sortirai le disque d'or dans 3 semaines, je pense. Minimum. 3 à 2 mois, parce que là, vu la lenteur. Minimum. Et du coup, ça donne ça. Là, c'est beaucoup mieux, ok? Donc voilà, bah écoutez, là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va passer à l'étape du CD. Dernière étape, l'assemblage du disque d'or. Alors j'ai imprimé ça aussi, ok, du coup, j'ai voulu vraiment, comme si je l'avais sur Spotify, parce que oui, vous ne savez pas, mais je me bats avec Spotify. Je me bats avec un site pour pouvoir mettre mon son sur Spotify et toutes les autres plateformes de streaming. Au cas où, s'il est sorti dans la description, allez écouter ça, identifiez-moi dans vos stories Instagram, ça me ferait plaisir. On va directement coller ça dessus, ok. Ensuite, là, on va venir découper le petit rond pour mettre au milieu. Oh, je me rappelle ces ciseaux, je vous jure, c'est une vraie anecdote, je m'en souviendrai. Je lui ai fabriqué une chauve-souris qui était suspendue au plafond, qui tournait, voilà. Et je coupais ma truc et tout, d'un coup, pac. Et du coup, j'ai une méga cicatrice là. Et bref, du coup, je me suis fait recoudre et tout, j'avais trop peur. Voilà, anecdote nulle, intéressante, non. Ah, ça me fait chier, ça, dégage. Ok, bah c'est parfait, le rond vient bien se mettre ici. Putain, ça fait vraiment des traces de ouf. Je crois que ça a mis vraiment du temps à sécher, ça. Hein. Du coup, tac, tac. Ok, donc là on a ma petite gueule au centre, ok. Maintenant on va venir rajouter le petit son Spotify, qui n'est pas encore sur Spotify. Merci Spotify, je vous aime vraiment beaucoup, énormément, pas du tout. Vraiment là j'en peux plus, je fais ça vraiment en mode allez que ça se finit, je suis pressé de voir le résultat. Et en même temps, ça a pris, je vous jure que je pensais vraiment pas que ça allait prendre autant de temps. J'aime beaucoup, je pourrais même dire. Hop, ça on va tout dégager, je rangerai tout après de toute façon. Allez hop, ça dégage. Maintenant ce qu'on va faire c'est coller le CD directement dessus, ok. Donc on va essayer de le mettre bien droit. Je vous jure que je sois vraiment bien fait. C'est pour ça que je vais vraiment prendre les bonnes mesures. Je vais regarder si tout est bon. Là j'ai 5. Les gars on est sur la fin là. Tant qu'il sera pas accroché sur mon mur en train de tenir, je ne serai pas serein. Merci à mon père, il m'a aidé de ouf.
Merci à ma mère, elle m'a aidé de ouf aussi à trouver ce cadre, on a galéré, à mes soeurs aussi. Toute ma famille m'a énormément aidé sur ce projet, comme sur le son, de toute façon toute ma famille m'a aidé aussi, m'a soutenu, comme sur ma chaîne YouTube, vraiment. Pour moi, je jure, c'est un pas de ouf d'avoir réalisé ça. C'est vraiment mettre fin à ce projet et dire voilà, ce projet a été fait, maintenant faut passer à autre chose. Et c'est dur de passer à autre chose, je sais pas si vous comprenez ce que je vais vous dire. C'était vraiment un projet qui m'a tenu à cœur de ouf, ce que je dis dedans, c'est vraiment un truc que je pense, et que c'est des trucs qui voulaient sortir mais qui ne sont jamais sortis, et que c'est sorti en son, un truc que je rêvais depuis longtemps, donc c'est pour ça que pour moi c'est un projet. Voilà, c'est un faux disque d'or, bien sûr, c'est un truc fake, mais pour moi c'est pas les vents, tout ça qui compte, c'est vraiment d'avoir fait ce truc là. Et bref, voilà. Je vous montrerai vraiment quand il sera accroché. Donc on se retrouve là quand il sera accroché. A tout de suite, la team. Il y a écrit REC, donc ça filme. Oui. Ok, bon, bref, vous avez pas vu, il y a eu encore des complications. Vous savez la trace noire qu'il y avait. Du coup, j'ai préféré le refaire. Voilà, je voulais vraiment faire un truc propre. Donc j'ai dû refaire. Après, quand j'ai attrapé le cadre, j'ai niqué le cadre. Donc mon père a dû redescendre pour tout recoller. Donc voilà, c'était juste n'importe quoi. Donc merci encore à toi, papa. Et bref. J'en peux plus, comme vous pouvez voir, là il est plus de minuit. Mais oui, qu'est-ce que t'as là? Bah, j'en peux plus. J'ai le montage, parce que là, dans ma tête, j'ai. Bon, on montre le cadre là! J'ai le montage, oui. Non, tu il a trop de montage dans la tête, s'il vous plaît, dis qu'il arrête. Une vidéo par jour, on s'arrête pas, les gars. C'est bien, il arrête. Bon, allez, regardez du coup. Pour le. Oh, je kiffe. On découvre en laine aussi. Je kiffe. Waouh! Il est magnifique. Voilà, je trouve que ça fait trop bien avec le décor. Ouais, ça va vraiment bien avec le décor. Vraiment en vrai, tu sais. Ouais. Waouh! Mais il l'aura de toute façon un jour. Là, c'est le faux en attendant, tu vois. Non, comme ça, t'as fait la place. Non, il oui. De toute façon, j'ai dit au début, hein, je veux pas percer dans le son, moi. Donc, c'est mais juste moi, un, c'est un délire. Genre, mais moi, je veux que tu perces, c'est pas un délire. Prochain son, j'ai dit aux 10 000 abonnés. Hein, je vous l'ai dit, ça va être fait. Mais du coup, faut attendre les 10 000. Et du coup, bah, je réserve la petite place pour le trophée qui sera mis là, par là-bas, je pense. Oui! On verra. La photo est de moi. Voilà, je tiens à le dire. Meuf, c'est moi qui filme. Alors, c'est Barbara qui a filmé le clip. Tu couperas ça au montage. Et je suis venue. À l'enregistrement. Oui, mais moi j'ai contribué à la photo aussi. Ta gueule, Cassandra. Aux encouragements. Bravo! Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est du coup c'est. Attends, ça... je veux juste te dire un truc. Ouais. Je voudrais voyager sur tous les continents, mais mes parents à la plage. Voilà, justement. J'ai fait ça justement pour un peu genre clôturer ce son, genre un peu genre fermer ce projet qui était trop cool, j'ai adoré. Donc merci à tous ceux qui ont kiffé le son et puis voilà, c'était trop cool, merci. Et peut-être bientôt sur Spotify du coup. Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. T'es moche toi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Spotify j'attends, mais comme je vous l'ai dit, normalement il est en description si d'ici là j'ai réussi à le faire ou pas, c'est la vidéo, voilà, bref. Mais voilà. Bon, maintenant je vais faire un petit plan bien stylé. Comme d'hab. Dégage. Ta gueule. Comme d'hab. Bref, je vais faire un petit plan stylé comme d'habitude, c'est parti. Transition. Tu l'as pris dans la gueule. Non. On est la loi de l'attraction. Quand je suis pas bien, je fais des tractions. Je garde le sourire, même au plus bas en tête. J'ai toujours ma passion. Je connais la loi de l'attraction. Quand je suis pas bien, je fais des tractions. Je garde le sourire, même au plus bas en tête. J'ai toujours ma passion. Faut croire en ses rêves. C'est comme ça que les choses arrivent. Tu sais que dans ce monde, si tu traînes, tu vas partir à la dérive. Je crois en moi, je crois en mes amis. Team, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Moi en tout cas j'ai adoré faire ça. Franchement je suis trop content, je suis trop fier. Sauf que dans le décor ça apporte vraiment une valeur en plus, que j'adore vraiment, quelque chose qui m'a passionné, que j'ai aimé faire, que vous avez été là, on l'a fait ensemble et que vous avez adoré en plus ça. Donc ça qui me fait encore plus kiffer, c'est que vous avez adoré, j'ai adoré le faire. Donc je ne peux pas être le plus heureux à l'heure actuelle par rapport à ce son là Du coup voilà, une page se tourne, mais croyez-moi qu'une autre page encore va s'ouvrir. C'était pas vraiment joli à écouter, mais vous avez compris un peu le sens de mon histoire. Bref, la team, n'oubliez pas d'ici là, laisse-moi un petit commentaire si t'as bien aimé la vidéo. Abonne-toi, ça me ferait super plaisir. Un petit like, tu connais tout ça. Voilà, bref, n'oubliez surtout pas, prenez soin de vous. Disque d'or, les gars. Bientôt double platine. Je voudrais voyager. Ouais, non, pas double platine en fait, je me suis trompé, pardon. Sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps, car j'ai besoin de mailles. Je veux beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps.